Faze regarde et attend son adversaire. Adversaire qui va se décider sur un premier temps sur Anubis. On a dit ensuite qu'il y a Ancien. Alors Ancien, en théorie, on n'a pas trop de doutes. On a tous envie de se dire, bon, Spirit va la plier. Mais Anubis, on l'a dit, il y a quand même pas mal de facteurs. Et à le côté, on est un peu plus chaud sur la scène. On a aussi de l'XP. S'il y a bien une carte qu'on serait capable de rentrer, ce serait celle-ci côté Falcons avec un start en défense qu'il faudra maintenant gérer et qu'on va aborder sans kit. Il n'y aura pas de reprise proposée, il n'y aura pas de stuff. Ça sera 5 Kevlar. Il n'y a pas de double Beretta. Hein. Non plus. On a donné un Molotov à Donk. Il y a un P2 dans les mains de Chiro qui tient en respect Madone, ça c'est important. Je crois qu'on comptait sur la prise d'info. Et voilà, le A avancé dont je parlais. Carambolage, ici, c'est pas eu la réception pour un kill. Son coéquipier a déjà pris la fuite. Il lâche l'affaire. Couard, qu'il est. Magisk revient pour un kill. Et non, il n'y en aura pas d'avantage. Donc s'impose, le BP est pris. Oh, ça reprend, c'est Fumigel qui est proposé là-dessus. Magisk en fait déjà un premier, le second ne sera pas trouvé, mais Donk ira chercher la tête de Boros, laissant Snappy en 1v2. Alors face à Donk et Chiro, sur le papier, t'es pas forcément gagnant, mais attention tout de même, Snappy pas loin de le faire, et Donk, quelle entrée en matière. Premier round triplé. C'est pas le plus impressionnant, mais il est là. La symbolique est puissante. C'est ça. C'est son premier round dans l'arène, triplé. Voilà, ça fait plaisir. Alors c'était beaucoup de trade, hein, notamment sur le premier passage. Il est en troisième lame, il est en revenge, il est en dernier mot sur le clutch, c'est vrai. Le meilleur pour la fin. Donk est là, 1-0. Ok, achat forcé, MP9 pour Snipey seulement, avec un casque. Tout le monde a des casques, sauf Sunpius. Surnombre en B pour la défense. Et les deux camps ont la même idée sur ce point névralgique de la cave. Au début du round, faut mieux pas regarder. Faut pas pouvoir laisser à l'adversaire le soin et la possibilité de regarder, de checker, de jouer cette position. Alors ils ont un fumigène, chacun a envoyé ici. Les deux se juxtaposent. La rivière est prise par l'attaque avec le numéro 1, ici même Donk, number 1. On va dézoner tranquillement. Et bien sûr, on dézone. Ça force la sortie de Snappy. Et là, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reprendre sur l'extrémité B? Oui, sur Flash, Magisk ne doit pas trop en faire. Et pour le coup, on ne se donne pas. Donc cette reprise Flash ne donne pas grand-chose. Et au contraire, c'est une fake info. On a vu personne, on se dit tiens, c'est libre et on repart de l'autre côté. C'est de la surréaction, c'est un peu superficiel à la part de Falcons et ça sera excusé parce qu'ils sont en achat forcé. Encore que même eux-mêmes reviennent et doutent, ils reviennent sur ce B et se disent bon, ça réagit pas en A. Reprenons une défense standard, mais standard en achat forcé, standard avec un problème. Il y a un trou middle où s'engouffrent trois attaquants. Pour ce qui est un Spita sur un homme seul, et se l'est isolé. Oh bah alors là, il en a rien à faire. Et pris sur le flanc, là il y a un petit problème de son, je dirais aussi. Ouais, assez spécial en effet ce passage, Magisk. Peut-être qu'il va falloir régler un petit peu le casque, mais bon, dans tous les cas. C'était pas trop le sujet, hein. Il était cuit, mais là clairement il a même pas pu se défendre. Pari perdu pour Falcons. Alors on va essayer, hein. Je dis bien essayer de conserver justement ces 4 armes qui ont été investies, les Kevlar qui vont avec. C'est de l'argent, c'est considérable. Dans tous les cas, sur le prochain, on rachète pas. Donc autant garder ce qu'on peut. Et peut-être sur le prochain, faire le bon pari. Là, au côté Spirit, bon, est-ce qu'on n'irait pas envoyer des MAC-10 chercher? On s'y prépare justement. On va vider la cave sur Flash, ses Ontix qui y va. Et lui, il a envie de prélever. Ouais, on voit déjà les sujets en deux rounds de la cave et d'une défense avancée en A dans le main. Ce sont deux zones neutres, deux points d'appui, des points névralgiques. L'équipe qui la contrôle est dans le confort et quasi automatiquement on met dans grand inconfort l'adversaire. Alors surtout pour la défense quand elle perd ses points d'appui, parce que bon, l'attaque, si elle n'a pas la cave ou ce point, ce main A, c'est pas trop grave, elle n'est pas non plus menacée, mais disons qu'elle ne met pas de pression. Et là déjà on voit des belles flashs, même pour aller chercher des armes. On voit le double fumi, on voit la prise middle, mais Spita, parce qu'on va repousser le sujet en A aussi. Je te voyais amuser, Jawed. Pardon. En fait, t'as dit, je t'ai entendu dire on voit des beaufs au moment où on voyait le public. Je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte. Mais en fait, tu t'es repris, tu voulais dire des belles flashs. Mais je dis ouais, des beaufs, ouais. 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 Non, mais tu n'aurais pas osé. Eh ben non, vraiment pas. Par contre, on fait le même start en B du côté de la défense, start à 4. Avec la flash, toujours sur Madden. Alors cette fois-ci, ça pourrait être intéressant. Même si Spirit fait un départ encore une fois classique. Fumigène sur la window qui est envoyée, change de stuff aux abords de la cave. La molo de Don qui a forcé Snappy à repartir. Parce qu'il aurait pas envie de revenir. D'ailleurs, il a encore un fumigène dans sa besace. Il sera intéressant à utiliser pour bloquer la zone, gagner quelques secondes supplémentaires. Et on va le temporiser. Il surjoue pas là-dessus. On garde son stuff et on garde la zone. Ouais, il arrête son molotov pour dézoner comme tout à l'heure. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que ce soit pas un MAC-10 qui s'en charge. Il est là, ce MAC-10, juste derrière, je crois, c'est Chopper.
Voilà le mollo, il est au-dessus en fait, Chopper, sur le pont. Il fait ça à la Galil. Et il y a un combat, ici qui m'intéresse, qui me passionne, qui est un sujet. Il y a une ouverture sur le middle. Un autre combat sur zone neutre. Ils ont l'avantage de la puissance de feu, ça se ressent, mais ça reste un petit peu poussif. Et ils n'auront pas le dernier mot, la bombe est perdue. Allez, deux joueurs issus de l'académie maintenant, donc, et Zontix. Il va falloir rattraper le point, sauver les pots cassés. 2 contre 2. Avec un Magis qui a fait un move extrêmement rapide. Hein. Lui qui était dans le mid, d'ici quelques secondes, pour arriver dans le dos par le main race. Tapi qui se méfie du B. La bombe qu'on devrait pouvoir ramasser, mais bon. Les intentions sont claires, elles sont connues, on fait du bruit. Snappy qui revient en slow, contact de la tuyau, on fait déjà un premier, n'aura pas le second, donc pour aller le faire tomber, c'est maintenant du 1v1. Magisk, Galil, peut faire one shot, 79 points de vie. 87 pour donc, je pense qu'il est one shotable aussi dans la tête, évidemment. C'est ce que je sous-entends. Donc il se replace bruyamment, il est entendu. Ah, visiblement non. Clairement pas. Magisk ne sait pas où est l'adversaire, ça va lui coûter du temps. Et créer des timings très incertains. Méfiance, donc décale. Et bruyamment, il a repéré. Et il tient bon, évidemment. Duncan, évidemment. Il a commencé par un triplé au pistol. Il enchaîne ici par un petit clutch en 1v2. Il est fiable, il est là. Mais c'était quand même assez dur pour Spirit face à ce qui était, on va dire, un achat forcé prolongé, conservé. Le middle est choisi sans avoir appui sur le A en avancée pour l'attaque ou même sur la cave. On joue peut-être un petit peu trop vite, résultat les pivots sont la middle, la défense est pas mauvaise pour Falcons. Il y a du répondant, il y a des idées. Attention en armée, je suis curieux de voir si justement les Spirits n'auront pas plus de difficultés à travailler la map et à finir. Alors on se cherche au stuff, la double HQ qui pourrait toucher. Oui, elle est très très bien timée celle-ci sur Madden, qui va d'ailleurs forcer une mollo. Panique un peu, ouais. Mais attention à l'accès à venir. Un Sunpaus à la réception, il y en a besoin d'un grand Sunpaus. Pas n'importe qui sur la scène qui a fait une très belle année 2023, sniper en main. On va essayer de placer Magisk, attention Tami qui pourrait être désastreux, la balle qui passe à côté mais t'as pas le droit, pas celle-là. Zontix et donc pour aller trouver du 2 pour 1, accélération A qui s'ensuit, on a les stuff pour et ça devrait passer. Est-ce qu'il faut chercher le kill ici? Est-ce qu'il peut trouver l'opportunité de ramener la situation à l'équilibre numérique de 3v3? Parce que en vrai déjà là la question de sauvegarder l'équipement se pose. Ouais, elle se pose clairement, on a pas beaucoup de PV pour Madden. Laisse tomber. Je pense, laisse tomber. Enfin, on va voir hein, sur la dissipation, mais c'était à double tranchant. Ouais, et encore, je suis bien renouvelé, on va écho. Alors, on va voir si ces armes sont conservées, j'avoue, mais là déjà, je pense que les TS montrent de la nonchalance sur les points d'appui, notamment en A, et ils ne sont pas punis. C'est-à-dire que le sniper ne doit pas rater. Et s'il ne rate pas, Falcons a gagné d'un point de vue stratégique ou tactique. Ils ont 3 bonhommes hein, sur le A. Ils ont 2 plus 1, ils ont le sniper en pointe, ils ont le premier sang normalement si ça tire droit. Les Spirits étaient battus dans ce choix, mais dans l'exécution, ça ne tire pas droit. Et on fait un pré-show, on dit oui, Sunpaus. C'est peut-être lui, qui va poser problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'il tire pas droit et que ça coûte méga cher. Ouais, clairement, là, on a un niveau de la compétition, on n'a pas le droit de se rater. Non, 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 rédhibitoire. L'adversaire directement vous punit. La petite paire donc Zontix pour aller faire le travail. Et pose tactique directement demandée, je pense que oui, faut vite se recadrer, vite se remettre dedans. Pas commencer à prendre le bouillon et ensuite subir la folie des Spirits qui sont eux par contre très bien rentrés, assez sereins. On n'a pas encore vu donc gueuler comme un malade, je pense qu'on l'a aussi bien briefé. Même lui a conscient du fait que bon, ah, c'est quand même une demi-finale, t'es dans l'arène, il faut pas te cramer sur les premiers points. Garde un petit peu de réserve. C'est mon opinion, je vous en ai que peu parlé. Mon opinion de mon point de vue, la pose tactique est très mal nommée parce qu'il n'y a pas de sujet. Il a raté son coup au snipe, on est à haut niveau, ils sont punis, il y a avantage numérique, on peut plus reprendre. Ils étaient bien, ils avaient une 2 plus 1, premier contact sniper, c'est raté, c'est finito, rideau. Il n'y a pas d'individualité pour compenser, tant pis. Il n'y a pas de sujet en fait. Ils étaient bien, on les voit bosser, reprendre la cave, on les voit avancer en A. Peut-être c'est une question mentale aussi pour se dire, bon les gars, ouais, voilà. N'ayez pas trop de regrets, go next. Peut-être que Snappy là, il dit, qu'est-ce qui se passe quoi, les gars, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, tout va bien, on continue, mais on met les headshots, on tire droit, on fait les body hits au sniper. Juste pour rassurer, tu vois, tu débriefes, tu sais. Ok, c'est pour moi, tu vois. C'est important, je pense aussi, que Sunpaus dise il est pour moi celui-là. Sinon, on était pas mal, les gars, on continue. Parce que c'est ça hein, ce qui se passe. Ah, et puis on a dit, côté Falcons, on a quand même une certaine expérience. On doit être capable, justement, de se dire ok, go next. On doit être capable de les gérer, ces petites phases latentes. Alors que dans le mid, on serait peut-être en train d'avoir une défense assez forte. Hein. Depuis le début, on y est à 2, on conteste la zone sur les stuffs, on y met un fumigène. Mais Spirit va tenter l'accélération sur le BPA. Et l'accélération avec Donk et Zontix qui pourrait faire très mal face à Magis qui est tout seul. Allez, on en prend un et on attend la reprise. Ouais, c'est dur, on sous-estime
la capacité d'ouverture de Spirit, on sous-estime l'animal. Donc, il ne regardait pas au bon endroit. Hein. Il a mis un petit turn, je suis curieux de voir ça en replay. Et bon, j'ai l'impression de me répéter. Là, pour le coup, ils sont pas au bon endroit au bon moment. Ça leur coûte le BP et le round et ils peuvent pas reprendre. On va chasser l'économie adverse, ça coûte déjà cher. Et tu vois ça typiquement, hein, quand on fait un petit, juste sur les 5 points joués, hein, on prend un petit peu de recul, on regarde la macro qui est proposée au global par Team Spirit, bah, il y a une variation très intéressante et un Chopper qui arrive bien à surprendre l'adversaire. Chopper d'ailleurs qui en veut plus, hein. Ouh, le timing serait bon. Non, ça va, Sunpulse au moins se défend, mais c'est pas encore fini, hein. Tu as dit la chasse est ouverte, on a envie de les enterrer dès le début, on n'a pas envie de les laisser respirer. Boros tient bon sur Donk, il en faut plus pour survivre. Oui, c'est assuré par Sunpulse. Aux Ontix. Ouais. Elle coûte cher ses armes, elle coûte cher ses armes, cet équipement ici, Boros qui tombe. Petit achat, je sais pas s'ils vont forcer, ils pourraient peut-être forcer l'achat et sacrifier un cinquième homme, mais ce déséquilibre, se perdre cet homme ici, on a deux équipements conservés et non trois, et donc on peut pas vraiment proprement racheter. Ça aurait pu être le cas s'il était resté en vie. Mais il était pas mal le même mec, donc c'est ça. Exactement, donc, ouais. Ouais. Bah, tu vois, Chopper il continue sur ce qui a marché, mais en vrai ça n'aurait pas dû marcher avant, et je pense qu'il y a mal entendu. Les Falcons se disent on va faire autre chose parce qu'on avait une bonne défense avec Sniper, mais il fallait juste la remettre, tirer droit et gagner. Et là justement on va aller chercher un peu plus haut parce que bon, c'est quand même chiant de se faire exec ou déclic. On va essayer de prendre les devants. Zontix comprend, on a tous les signaux qui sont envoyés, les stuffs, décale de Zontix qui repère. Est-ce qu'il va forcer le duel? Il repère Snappy au moins, la HE pourrait toucher. Ouh, elle est bonne cette HE. Et on a envie de le condamner. Snappy, il est en plein milieu de la carte et il n'y a aucun support disponible. Zontix en prend deux. Ils sont pas lucides sur pourquoi ils perdent. Ils ne sont pas lucides sur le pourquoi et donc ils se retrouvent à call des trucs pour changer. Changer pour changer. Alors qu'en vrai, leur défense n'était pas au même endroit au round d'avant. Mais avancer en A et succession de fumigènes dans la cave, ça a l'air de marcher. En tout cas, ça avait l'air de poser problème à Spirit. Et là, on se retrouve à se télescoper dans la rivière avec un homme seul. Si à la rigueur, ils étaient plusieurs, je dis pas. Mais là, le frérot, il est tout seul. Oh, ça ne le mène pas très loin. Madden, peut-être attrapé par Magix. Il s'y attend pas, mais on est très précis et rapide. Donc ça fonctionne. Et mieux équipé, un privilège de la casse sur la M4 aussi. Celui-ci fait du bien. Sunpulse, Magix, condamné déjà au save. Est-ce qu'on n'organiserait pas une chasse sur la suite? On l'avait proposé sur le round précédent. Et on prend son temps, la bombe qui n'est pas encore en train de passer sur le BP. Mais c'est bien. Ils chassent déjà. Ah oui. Ils chassent déjà, ils savent déjà que là, le sujet c'est l'économie encore une fois. Faut garder ce sniper. On est en cycle monnaie maxé. Je sais pas si on pourrait forcer. De toute façon, le plus l'idée là maintenant c'est les petits achats assez épicés avec sniper préférablement. J'ai le sentiment qu'on n'en sortira pas vivant de cette fin de round pour Falcons. Oh oui, en plus on va faire une flash au spawn, alors ça là... Ça bijoute là. Alors là on veut faire les choses bien. Ça bijoute. Sunpulse, attention, prépare tes lunettes de soleil, autrement tu serais gêné. Et gêné il l'est, donc le sait, et donc ne le prends pas. Faut pas déconner non plus, Sunpulse est capable de tirer. La première fois qu'on a vu ces phases de jeu, c'était l'équipe de Magisk vers 2018-2019. C'est peut-être pas tout à fait là encore. Il est arrivé bien après, juste après. Ok, on survit pour... Personne. J'ai cru au moins qu'on aurait la Mi-4, et alors là c'est ouais, un désastre. Petit achat, 5-7 et autres joyeusetés. On va prendre une pause tactique avec Zozo. Alors là il n'y a pas beaucoup d'argent, mais je pense qu'il faut revenir sur un jeu quand même moins agressif, ou au moins si on fait ça collectivement déjà. Et puis avancer au A au sniper, succession de Shumija dans la carte. Bah oui, mais en fait ils sont dans le doute, mais pour le coup... Bah, je pense que c'est il se pète le cerveau pour moi dans le vide là. Il y a clairement une incompréhension. En fait, il est étonné d'être seul. Ouais, je pense que le joueur Mena il l'attendait plus tôt pour aller chercher la décale avec lui et appuyer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il avait le temps de faire le 180. Après, il l'a très bien fait. Hein. Un kill à gauche, un kill à droite. Snappy il est étonné d'être seul dans son aggro, je pense. Il a pas compris pourquoi on l'a lâché. C'est vrai que là, entre guillemets, hein, tu passes pour un con. Mais nous ça c'est, ah mais, ça, c'est... Qu'on en a, oui, oui. Mais bon, au final... Moi je jette pas là, quand Snipe meurt et que je dis ils vont pas ensemble, c'est un collectif, ils n'y vont pas ensemble. Et après on verra qui a déconné. Mais de toute façon, le move est pas bon et c'est une collectivité, c'est une responsabilité collective, pardon. Attention, ça ne pas eu, repéré. Alors, heureusement il y avait un mur hein, pour le protéger là-dessus sur la tête, on n'y perd que 22 PV. Alors on a One Man, hein. One Man Army Sniper, petit achat pour le reste. On va revenir sur le A, avancer sur le fumigène de Deny. Ça voilà, c'est la cave, pardon, c'est le main A, on met le sniper, ça c'est pas mal.
Alors, ça fait pas auto-win. C'est juste que, à mon avis, ça fonctionne pour Falcons. Ils s'en rendaient pas compte. Voilà. Bon, ça tombe en, on va dire ça, en écho, un petit achat épicé. Et le problème, c'est que ça joue dans l'antifumigène. Vont dissiper dans la cave, ils seront que deux. Très très bien, très très bien. On a un premier élément de réponse. Pas une victoire, mais déjà on parle un peu là. Ouais, pour l'instant, pression qui est mise aux abords du B. On a envie d'accélérer, on a envie de passer la seconde pour donc. Pour l'instant, bloqué par sa propre mollo qu'il a mis pour forcer le retrait de Snappy. Et donc tout de même l'ouverture sur Boros. Alors elle est très vite partie. Oui, Lops, il vaut mieux rester sur sa POV. Auquel cas on pourrait y rater des kills. Snappy finalement qui répond. Magisk qui était très bien positionné pour surprendre Shiro. Laissant Chopper et Magisk sur un 2v4. Faut pas gâcher. Faut pas gâcher. Faut tenir. Oh oui, on tient, ça ne pas eu cette fois-ci, c'est bon. Ouais, fait le travail, fait le travail. Il peut rester en vie peut-être, mais facile à dire. La Bebon est sur le dos de Magisk. Alors ça, c'est le clutch à ne pas prendre. Ce clutch des rideaux, je pense. C'est même plus la peine. Fin d'amorçage. Il a tous ses points de vie, il est mettable. C'est pas évident, mais il est possible de mettre ce clutch. Ah, double décal. Ah, double décal, ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble, attention, c'est dangereux. Un par un, il y a un OHP derrière. L'enchaînement pour Magisk, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas ce CS là. 17 PV, Snappy qui arrive en slow, Snappy qui arrive lentement, mais Magisk qui le prend. Oh mon dieu, le clutch, il était impossible et pourtant il l'a fait. Ils ont goûté à la potion Magisk ici en demi-finale. Si c'est pas donc, si c'est pas Zontix, eh bien c'est Magisk. Défibrillateur, Sonic, défibrillateur. Là ça fait quand même trop. Non là c'est, là ça fait deux rounds qui sont bons et qui sont gâchés pour l'un au skill, et ici je parlerai même pas de skill, je pense qu'on est très clairement sur du derp. Si vous voulez jeter un round, vous faites comme ça, un par un, bien moche, sans s'attendre. Ah, d'un côté c'est bien moche, de l'autre côté ça n'aura pas quelque chose de très important, et on l'avait vu sur les stats de Spirit au préalable, tout le monde clique, il n'y a pas un joueur qui est en dessous, tout le monde est un danger, décale sur flash, t'as pas eu Snappy, ok on en fait un chacun, on revient dans la tentative d'agression, cette fois-ci c'est quand même assez payant, moins 2 en quelques secondes. Snappy a eu ce qu'il voulait, on l'a suivi. Non, Boros, hors timing, qui donne de l'oxygène, pourquoi il va là-bas? Alors connaissant le profil de Boros, je trouve pas ça choquant. D'accord, ok, c'est pour ça. Tous ses anciens coéquipiers en parlaient comme étant un joueur agressif. Qui avançait souvent trop, ouais, effectivement, qui n'hésitait pas. Bon. Ça, c'est vraiment carton rouge à très haut niveau. Hein. Sur un CS. Bah, surtout, ouais. En plus. Ça, c'est vraiment un move 5v2, on rame un max. Il va chercher un contre-map terreau au spawn. Ah, Magisk, il me fait peur, il est seul, il a pas de contre-stuff et son premier point de rotation, c'est Madden, qui est encore un petit peu loin. Et qui n'aura pas non plus de contre-stuff pour l'aider. Donc là, si on a la petite molo BP, un petit fumigène côté caméra, qu'on a les bonnes flashs. Oh, ça arrive, ça se prépare, attention. Madden, il doit décaler quand Magisk tire. Ah ouais, le pré-fire aussi en casque direct. D'accord. Il est repoussé, Magisk. Sniper de Shiro, c'est dangereux ce sniper de Shiro. Très dangereux. À l'horizon du fumigène, dans le fumigène, c'est à côté pour Shiro. Ça tient pour Snappy qui fait le ménage. Il n'en reste qu'un. Il y a une économie en jeu. Ouais, 15 secondes, il pourra pas le mettre, mais bon. On peut quand même tenter de faire tomber. Pourquoi pas ici? C'est Sunpaius à la réception. Et il est là, enfin, le premier point de Falcons. Voilà. Là, Snappy, il est déter. Le coach aussi. L'agro ensemble, Jawed. Moins 2. Ah, ça marche tout de suite mieux. Ensuite, 5v3. On va pas chercher le contrôle de map terreau à Bassi, donc 4v2. Mais on tient. Et le clutch, cette fois-ci, ne passe pas. C'est une pause tactique, j'imagine, des Russes. Qui, je sais pas à quel point est comme le petit jeune, mais il y a moyen qu'ils leur disent que la cave est un sujet. Parce qu'il est capable de la prendre seul. On envoie quelqu'un avec, on finit speed B, un truc simple et méchant. En plus, on aura la rivière, parce qu'ils vont pas aggro rivière à tous les rounds. Enfin, là, ce serait quand même déconseillé de la part du leader danois, pardon. Voilà, bah là, il y a Stun Papa derrière le leader. Il est bien, regarde-le, il est extrait, il a son doublé. Il est en confiance pour terminer le round. Quand on écoute Snappy, ça fonctionne mieux. Alors attention, parce qu'on l'a dit... enfin, je pensais qu'on avait une meilleure banque tout de même pour Spirit, mais bon. C'est vrai. Il y a quand même une grosse bataille. Attention à la décale dans le mid. On va être encore une fois agressif, mais puni par donc. Oui, ingérable. Voilà. Puis il va sur le point névralgique. En confiance, installé. Faut les avoir à l'usure. Ouais, ils jouent le middle rapidement. Ils peuvent juste patienter pour la dissipation des fumigènes de la cave de Donk. Magisk, je sais pas, j'ai un... Je crois qu'il y a un bordel là.
Oh, Chopper s'est retourné, il a compris. Il y avait eu un tic de mollo au préalable, je sais pas si Magisk a compris vraiment ce qui se passait. Enfin, oui, c'est sûr, il a pas compris, je pense même qu'il avait pas entendu. Derrière, on essaie de reprendre en B, mais bon. Le mal est déjà fait, 3 contre 5 désormais. On a un A qui est complètement dépourvu de défenseur, une bombe qui est en train de faire le tour. Un Boros qui va tenter le pic, mais tenu en respect ici par Chopper. Echo. Il n'y a pas tant d'argent chez Spirit pour une chasse à l'homme, mais elle serait super rentable. Ouais. Ça se tentait, il a raison. On peut sacrifier une ou deux AK pour l'opération. Ce qui est dommage, c'est pas de prendre le temps de se regrouper, mais il pouvait pas de Chopper. C'est un bon round de Spirit qui punit une agression pont et puis l'infiltration middle. Il n'y a pas de doute chez Spirit. Tu vois, ils prennent une pause tactique, mais il n'y a jamais de doute dans ce qu'ils font. Alors qu'on pouvait discuter de certains choix. Parfois, franchement, ils ont une approche assez simple de la map. Ils n'ont même pas exploité le B jusqu'à présent, vraiment. C'est vrai, complètement. À part donc, hein, qui met sa petite presse, mais elle est gérée, hein, finalement. Falcons, ils font un taf correct. Ils ne sont pas très sollicités en B, mais ils sont plutôt installés sur la cave. Ouais, je pense que là où c'est problématique côté Falcon, c'est quand tu fais face à ce contrôle de carte qui est bien léché. Si tu veux chercher de l'aggro, il faut le faire franchement. Parce que si tu vas à demi-mot sur une flash pick, tu sais que l'adversaire il est bien safe pour pouvoir l'esquiver mais garder la zone. Donc t'as envie de vraiment rentrer dedans. Alors ça a fonctionné avant, ici on est complètement puni. Je suis d'accord. D'ailleurs, il faudrait le replay sur Donk parce que je pense que c'est très vite parti. Oui. En fait, ce qui est problématique, c'est que Snappy est en tête. Quand on aggro, on est bien. Et c'était plutôt vrai. Mais est-ce qu'il peut vraiment répéter ça autant? Il faut trouver un setup un peu passif, il faut trouver peut-être une agression ou un mouvement mid-round, late-round. On peut pas tourner en rond sur les agressions, certes varié hein, par le pont et non par la rivière, mais apparemment, et tu le dis, le contrôle de map des Russes, il est là. Le sujet est ailleurs, et je pense vraiment que ce sniper avancé, ouais, ça fait plaisir. Oh, j'ai pas l'impression, oui, il est rapide, hein, ça c'est sûr. C'est sûr que ça joue dans la balance, mais il y a quand même l'infiltration, mais tu vois bien qu'il n'y a pas que Donk, là le sujet n'est pas que lui, je pense que ce rapport il est déjà très haut, mais c'est pas tant le sujet. À la fin de cette rencontre, on voit le scoreboard à gauche, il est où? Il est en 9-4, qui sur l'échelle de Donk est... Pas ouf, hein. Honnêtement, c'est petit side quoi. Ouais, genre, ouais, franchement fin de carrière je pense. D'habitude ça c'est en 3 rounds, donc bon là en 9, on comprend pas. Bon, il avait commencé en 7-0 quand même, après il a dit je vais partager. Oui c'est ça. Grand prince. C'est ça. En vrai le truc c'est qu'on joue pas vraiment sur sa zone et que ça passe bien fort avec ses potes. Mais bon, peu importe. Alors le A justement, où est le sniper? Il est en A, il est reculé. Ça, on connaît la machine, hein, on connaît le manège sur la cave. C'est un sujet pour plus tard, je pense. Ils peuvent tout à fait patienter la dissipation des fumigènes. 3B2A, mais pas vraiment avancé en A, donc pas un grand confort. Fumigène que je qualifierais de Western Wolves. Hein. C'est comme si on prenait une banane sur Inferno, on coupe en deux, à l'ancienne. Même logique de jeu. Et puis Medol qui est complètement délaissé. C'est un problème parce qu'au bout d'un moment, les Falcons doivent s'en méfier. C'est bien de le délaisser, mais tu dois assumer et au bout d'un moment tu dois te dire bon bah ça peut s'infiltrer middle. La reprise, attention sur Flash qui va être tenté. On va contester la zone et on va même mettre un casque en travers, mais c'est donc bah encore une fois sur une ouverture face à Snappy. Le speed B, je te dis, il est là. Oh, il en veut plus. Oh, il en prend plus donc sur le doublé, presque le triplé, son tix qui arrive pour terminer tout ça. Le ménage est fait. Ça leur pendait au nez, laisse tomber. Une évidence pour le petit jeune. C'était une évidence. Ah, Spirit en balade. Hein. Tu as dit, il y avait beaucoup de travail sur le A. Mais souvent, des premiers temps qui étaient en contrôle large, qui servaient à répondre aux agressions de Falcons notamment. Et derrière, bah, tu fais ce que tu veux. Et dans la tête de Falcons, bah, quand tu joues sans l'information, tu dis, ok, je vais essayer de reprendre en A. Mais pendant ce temps, tu as donc quitté satellite en B. Ça se voyait qu'il avait une main jouée depuis le début de la manche. Il sait prendre la zone, il a sa routine. Il a jamais perdu un duel de sa putain de vie. C'était sûr. Ils étaient trois, et le setup est inconfortable, les fumistes d'ici, je sais plus comment faire, mouloir bon, décale d'un animal. Voilà, les trois cadavres. Rideau. Et pied bon voilà. C'est tout le sujet de la map. Une fois que la cave t'as plus les fumistes deny, ça devient très sportif. Allez, en face il faut. Bon j'allais retrouver des solutions, c'est peut-être un peu tard même maintenant, mais. On a très peu d'éléments. Si on laisse penser que Falcons, bah, quand même quelques cartes à jouer, on aimerait voir plus, même si on a un sunpace, on en parlait, on disait que ça serait un sujet justement de la carte, et pour ouais. Le coup, il est très pertinent au sniper, mais on arrive à effacer sa performance, bien qu'il soit efficace, on passe ailleurs. Je pense qu'on s'en sert pas assez. Bon, ok, il y a tiré à côté tout à l'heure, on va quand même passer à autre chose. Il doit être plus avancé en A, ou alors on le met cave, et il cherche à couper les pieds à Chiro. Pardon, Chiro. Ah donc j'y viens.
Tonk ou un autre, à un moment donné, c'est Makaye qui disait ça, on s'en bat les couilles. Tu vois. C'est ça, ah, c'est bien. On y va quoi. Faut que, de toute façon, il est là, on va le gérer. Et là vraiment pour Falcon c'est difficile hein, parce que le bateau fuit tout de part, ils viennent de se rendre compte que sur la cave ils sont trois, ils font leur fumier et ça coince de fou. Il ou le bijou. Sunpayus sur le middle qui s'engage là, je voudrais un oeil sur lui s'il vous plaît, merci. Merci oui. Sunpayus. Merci Sunpayus. L'Espagnol efficace, on en a besoin mais c'est pas encore fait. Les clutches on aime bien côté Spirit avec Chopper, Magic, Zontix, ça peut largement le faire. Snappy qui va jouer un jeu extrêmement dangereux. Alors attention, c'est à double tranchant. Mais Snappy qui va donner le bâton pour se faire arracher la tête. Tu sais que j'allais insulter Boro sur le move, j'allais dire mais c'est pas possible lui. Et là c'est l'IGL, alors là je comprends plus rien. Là je comprends plus rien. Ah c'est la chicha. Ah, il nous reste encore un peu de fumée d'ailleurs. Est-ce qu'on irait y remettre un petit peu son nez? Pas pour l'instant. Mais là sur ce 3 contre 4 honnêtement... On a peur pour Falcons, on a très peur pour Falcons avec un mid qui est d'ailleurs complètement ouvert. Donc à terme on finira par y penser, ça nous rendrait parano, on serait peut-être manipulé par un autre. Un Sunpayus qui a envie de reprendre un petit peu d'informations et d'espace et qui va protéger l'avancée de son coéquipier. Ok, ça peut être sympathique dans l'idée, mais on ne se montre pas en face. Attention le timing de son tir, c'est incroyable ce timing, mais Sunpayus réagit correctement. Très bien, pas paniqué. C'est pas pris un 2 hit à moins 97 là. Enfin. Ouh, ça se clutch. Ça se clutch. Il y a une sale odeur de clutch, on le connaît ce clutch. On l'a vu Magic sur un V3. Allez, Magisk. On joue la montre, on joue le nombre. On attend ses potes, une ligne forte, solide sur les appuis, pas trop. Attention, travers fumier aussi. Voilà, flash là pour Chopper. On joue pas vraiment dessus. Encore une. Nope. Et bah voilà, Magic qui tombe, Chopper qui tombe, il en reste un, c'est du déjà vu. Faut faire ça proprement. C'est fait, c'est ouais, fait. Par qu'est-ce qu'on a peur. Et là honnêtement Magisk. Ouais, il était en 1v1 contre lui-même. Hein. Alors au final c'est rattrapé, on va pas forcément retourner le côté dans la play, mais c'est vrai qu'on a des éléments qui sont un peu inquiétants. Je trouve que, tu vois ça, c'est ce qu'on appelait tous les deux juste avant. Le sniper de Sunpayus. Tu disais où est Sunpayus? Ouais complètement, on en a besoin. Parce que individuellement il est puissant depuis le début mais c'est comment on l'exploite. Et je disais il faut couper donc en deux. Il faut aller le chercher. Et ça fait du bien. Et c'est exactement ce qu'ils ont proposé. Il a pas fait par la cave, c'est encore mieux, plus intelligent. Ah, je me suis dit donc il va pas jouer son contrôle cave alors qu'on a une aggro water encore une fois proposée par Snappy. Alors est-ce que ça, Snappy sera content? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on a des flashs? On a des stuff, on va marcher dans sa propre mollo, ça coûte 19 PV, on va essayer de gratter de l'espace. Le joueur auteur A qui a été vu, il faut le chercher maintenant pour les deux du A. On appelle H. Pas trop cette affaire là, on est un peu trop loin. On est avancé en A. Oui. Elle est smart celle-là. Ah quand même. Elle est vraiment smart. Là où ça reste intéressant pour Spirit, c'est qu'on a réussi à maintenir ce contrôle passif. On a évité de prendre un kill sur le premier temps. Mais ils n'ont pas la cave. Ils n'ont pas le travail rivière habituel. Est-ce qu'on a une flash pour le mid? On y va sans. On a donc, mais ça ne suffit pas. Madden qui en fait un premier, Magisk qui enchaîne. Shiro tente de répondre. Shiro peut-être pour aller chercher une nouvelle décale. Et oui, Shiro efficace. 3 contre 3. Il faut choisir Boboros. Il reste sur une position, il a l'air occupé par le main, il fumille le flanc. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment... Ouais, il est en place en pré-fire, il est face à un sniper, il tient bon. Individuellement, il est là. Je le voyais quelque peu hésitant, mais il est sur le sujet. Il en reste un. Et on est en 9-3, il en reste un. Et on a justement la superstition de Zonic pour son équipe. Ouais, Zontix, qui va tenter son clutch, qui va tenter sa chance, mais ça n'arrivera pas. Boros qui a été solide sur la fin, qui va prendre les 3 derniers kills. Bon, 9-3. C'est pas rassurant, mais au moins on évite la débâcle. Voilà, il y a encore peut-être un sujet avec un pistolet sur le second.
Tu vois, j'aurais bien pris du rab. Là, le MR15, il manque à Falcons parce qu'ils avaient enfin compris. Et ça s'arrête. C'est violent, mais il faut tout de suite repartir. Avec un Magiste qui est seul en B. Mais qui dit, tiens, je vais prendre la température. Elle a l'air d'être assez élevée. En effet, il ferait mieux de repartir. Il le comprend. Ah, ça gratte, ça pique, ça fait mal. Mais il reste en vie. Reprise en 5 contre 5. On a certains kits, mais c'est pas gagné d'avance. Bah, Fumikit, ça rassure tout de même. Hein, parce qu'une fois qu'il n'y a pas le kit, on sait à quel point c'est difficile. Il faut jouer vite et mal. Chopper devant, alors qu'il a le rôle de désamorcer, ça dépend. Snappy en angle cassé. Magisk, un peu pareil, mais pas sur le BP. Ouais, pour moi, il ne sonne pas eu ça. C'est les hostilités qui sont lancées durement. Chopper qui ouvre. Il en faut davantage. Chopper le doublé déjà. Il en faut plus. Pas qui dit non. Et qui s'impose au pistol pour Falcon. Quoi, et maintenant, ils attaquent. Quadruplé pour l'Espagnol. Il est présent dans l'arène, il donne ce qu'il faut au public, du spectacle, et ça fonctionne bien. 18 kills déjà pour lui, hein, si je m'amuse. C'est dur, hein, les pistoles CT. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Ok. Écho sèche pour Spirit. Écho sèche. P2 qui traîne, je crois. Même pas, non, Echo Sage, il n'y a pas un seul investi. Rien du tout. Et ils sont en standard, roue libre. Même pas un taser, quoi. Ouais, non. On est déçu. Et pour le coup, pense que ça va vite devenir la norme, le taser en Echo Sage. Bon, par contre, les stuff, Snappy, on fait comment là? Ah, c'est pas les mêmes que. C'est pas les mêmes repères que donc. Ah, Snappy qui va aller seul prendre la température en B. On repère, on essaie de comprendre, est-ce qu'il y a un piège ici? Est-ce que je peux vraiment dire à mes coéquipiers foncez en haut, mes frères? Et lui, il va foncer dans un petit piège dans lequel il n'en fait qu'un seul au MAC-10. Mais bon, Axel en A, normalement ça va être pris, effectivement. Grosse ouverture de Magisk, il en veut plus le Danois. Le BP est déjà sécurisé. Ok, on envoie un éclaireur, une chèvre. Et elle cherche le sombre. Alors il y avait juste une 3-2 en Equestage, ce qui est extrêmement rare. Enjeu du round, donc, est-ce qu'il chope 600$ avec le MAC-10? C'est le simple et unique enjeu de ce round. Ah! Eh ben écoute, il y en aura 300 pour Zontix. À l'USP, ça fonctionne bien et un sacré piège, hein. Les deux autres joueurs sur la gauche. Sun Paius, faudrait pas se livrer. Ouais, ça fait des pépettes en plus, on va pas refuser. On s'en met plein les fouilles pour Magix. C'est moche, c'est pas à la hauteur de Katowice ce genre de mouvement. Il y a des erreurs grossières, il y a du laisser-aller. Et un perfectionnisme manquant. C'est les moves d'un autre âge, ça. Oh la K! Ah ouais, bah alors là. Ah oui, non, là ça déconne à plein tube. Hein. Cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on a le temps d'aller la récupérer? Normalement, oui. Et c'est confirmé. Bah, tu vois, pour un écossage, c'est une excellente opération. Moins 3 à K ramasser. On pouvait difficilement faire mieux. C'est vraiment pas acceptable pour une équipe pro. Il n'y a pas l'excuse de jeune équipe, nouveau line-up. Non, là, il faut arrêter. Je sais pas. Je pense que c'est le pire moyen d'aller chercher de la confiance. Il faut chercher de la rigueur, de la discipline. Il faut montrer qu'on fait les choses bien pour remonter. On a un attaque, hein. On a le pistol. Tout compte. C'est pas un match de poule. Ouais, Snappy qui va essayer de chercher la cave. Face à Donk. Donc là, c'est acte 2, mais on a échangé de côté. Donc qui va temporiser sur un premier temps avec une mollo. S'en suit une HE qui ne devrait pas toucher. Alors Zontix, on tente un pic? Non, simplement une HE profonde sur quelques travers. On s'observe, on se respecte sur les premiers temps. Alors une fois que les fumis se dissipent notamment en cave, je suis curieux de voir la routine Falcon sur la rivière, la cave. Allez, les stuffs s'enchaînent pour Spirit. Ils ont toujours une avancée, enfin un thermomètre assez haut en bas. Ça fait pas une minute, mais une grosse quarantaine de secondes que Falcons finalement n'obtient pas grand chose. C'est pas très grave, mais c'est très modéré. Et on a Snappy aux portes de la cave, seul. Reprise du A, il y a un fumier devant eux là sur la mini carte. Et reprise du B. Les Spirits qui mènent leur jeu très très bien. C'est carré. Magisk, le contrôle de map est défaillant. Snappy qui prend la cave, mais de toute façon, c'est normal, il y a personne. Ils étaient en train d'aggro ton pote. Elles ont dit qu'il faut tenir maintenant. Il faut prouver qu'il est capable en tant que fixe de faire la différence. Parce que là, les rotations elles sont très longues. La première hache dans les pieds, la décale de Zontix, il en prend deux. Zontix, mais t'as pas le droit, pas dans ces conditions. Oh, le travail titanesque qui va peut-être enterrer Falcon sur ce point. Donc, il arrive à contre-temps et qui enchaînera. Ils sont inarrêtables. Il y a un surclassement individuel, mais je pense qu'il y a un surclassement tactique. Il y a même un surclassement de rigueur et de discipline.
ça coulisse, ça prend des initiatives, ton fixe fait moins 2. A chaque fois qu'il y a quelque chose à cocher, c'est coché pour Spirit, pas dire autant de Falcons. Perd pas un PV donc là-dessus, hein. Pas un PV du round. Zantix qui nous a fait un taf, mais alors fou. Y a pas d'amorçage. Non, là. C'est léger, hein. Ils vont faire un rush en A avec un pompier, un pour un. Ok, intéressant. On aura pas le moins 2 à chaque fois. Bonne opération pour les Falcons qui obtiennent un VP rapidement, un amorçage et un post-plant. Chopper. Alors, ça c'est sympa, Smack 10 pour reprendre la rigueur. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Shiro, pas naïf en effet. Boros qui attrape ensuite Chopper. 3 contre 3. Shiro n'a que 10 PV. Chopper, il a... j'ai pas vu, il a repris. Ouais, il était au-delà du fumigène en effet. Ah ouais. Parce que là, il attend ses postes avec le Mac 10. On reprend et lui, il saute partout. C'est pas mal, hein. Ah, c'est une autre histoire contre Chopper. Pas de point d'appui, le 1 pour 1, incertain. On n'a pas les points de vie pour jouer. De toute façon, il prend headshot à travers. Shiro doit écho. Je prendrais bien un replay sur Chopper. C'est le point d'achoppement du round pour Spirit qui doit reprendre avec cet appui, voire même pour moi, avec cet ouvreur. Le Mac 10 reprisa qui saute partout, qui est carré. Bonne opération pour Falcons. On reste en vie sur ce side, on est en train de dire bon, mais aussi on a la capacité de rentrer dedans. Je dis un point qui a été vite sécurisé, qui permet de gratter de l'espace. Et puis Chopper, bon, il avait son contre-stuff ok, mais bon, son Mac 10 sur cette position le rendait un petit peu inutile et il aurait mieux fait effectivement d'attendre ses coéquipiers pour la suite. Il n'y aura pas de replay pour l'instant, mais il y a surtout une pause tactique, la dernière, demandée ici par Spirit. Chopper, arrête de choper, garde ton point d'appui. Et le pompe auto de Magix. Alors là, il s'est pris une doudou dans le fumier, enfin, je sais pas, j'ai manqué d'attention à ce moment-là. J'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un kill en fait. Il n'y avait pas de sujet pour lui. Ouais, il y a un sujet pour Spirit, après bah, c'est la map quoi, ton fixe il prend un pour un, ça déborde en bas. Et les reprises sur cette carte, notamment, mais même sur les deux BP en fait, hein, elles sont sportives. Snappy, Mac 10, accompagné par 4 rifles. Magix, c'est le pompe auto mid, j'imagine. Ça se discute. Curieux de voir si Shiro va vouloir faire une swipe AUS aussi. Alors, pompe auto cave, pompe auto contact B. Pompe auto qui a une molo en main. Oh la HE, la double HE est bien pensée. Okay. Sympathique. Ça fait pas autant de dégâts qu'on l'espérait, j'imagine. On est quasiment. C'est la même routine, hein. C'est fumide deep en bas, coup d'ep. En fait, c'est en standard. Les spirits ils prennent post-tac pour une. Pour un round de disposition relativement standard. En patiente. Le temps s'écoule, cool, les stuff avec. Côté Falcons, on va essayer de travailler le mid. On envoie des signaux à peu près partout. Travail au niveau du maina. Sur Fumi, Molo, Flash, on cherche la zone. Ça va créer une réaction. Rien faire. Le maina perdu devrait créer une réaction Spirit. Jeu conditionnel sur lequel j'insiste parce que ça bouge pas tant de fois. Oh, Zantix, ils ont un jeu extrêmement dangereux quand même. Hein. On est en train de se dire, bon, c'est peut-être de l'intox. Bah, j'ai envie de m'en assurer. Ouais, le pivot il vient près de lui, il faut qu'on l'aide là. Il peut surprendre. Oh oui, il a compris le timing de flash, on se retourne là-dessus. Ah, c'était osé, hein, c'était osé, mais ça ne paye pas. Magis s'en sort et là, l'avantage numérique il pourrait créer des doutes au sein de cette défense. Personne ne bouge, on ne vient pas le revenge. Après, lui aussi décide de ne pas lâcher. Ça commence à coincer. Alors, il reste un espoir, c'est ça, c'est ce sniper en multi-kill. Bah donc, ouais, disons sur le BP, il y a Shiro donc. Ah oui, j'avais oublié lui. Ça connecte sur un premier, pas le second, donc il va tenter de faire la différence maintenant et bon. Il reste humain, on peut le déborder. Chopper en 1 contre 3, traverser le fumigène peut-être, mais non. On finira au cercueil, couché par Madden. Second point ici pris d'affilée par Falcons. Et on n'a plus une thune en face. Shiro est discret, beaucoup trop discret, on a besoin de lui. On a besoin de lui parce que donc Shiro sur un BEP, Sniper AK, il y avait de quoi rêver. Je pense que la pause tactique, elle était pour ajuster la reprise et pas tant pour call ce round. Ouais. Echo, il y a du stuff un petit peu. Il n'y a pas épais, hein. C'est pas la folie. Pas vraiment d'excédent d'argent pour acheter un truc assez consistant. Donc Kev Deagle. Et encore une fois, 3B, 2A, espèce de pivot A vers le middle. Ouais, pas de pareil. Hein. Tiens, Snappy, c'est pas très joli face à Donk qui s'en sort. Alors certes avec 3 PV mais il s'en sort, c'est l'essentiel. Ouais, ça c'était assez moche. Je serais curieux de les voir bouger mid-round en fait. Commencer comme ça pour la défense en écho, ok. Mais est-ce qu'on bougerait pas mid-round avec les flashs, les fumilles, les machins? Apparemment, mais pas
pas du tout. Ah ouais, c'est un flash pick ça. Ouais, visiblement. Boros qui trouve l'ouverture sur son Tix, on en veut plus, donc qui a été repéré, abattu. Un Boros qui se met en jambe. Et on trouvera également Magix en train de sauter dans le fumigène. Je comprends pas les échos de Spirit. C'est toujours comme ça, Spirit, les échos? Ah, je me pose la question, mais c'est vrai que là-dessus, hein, y avait pas de... on n'a pas senti de ligne directrice. C'est pas grave à commencer en standard et tout, et d'ailleurs c'est la zone 1 kill. C'est juste qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de co, il n'y a pas de un moment qui dit bon bah vas-y, on reprend, on parie, on joue reprise. Et ouais, bah ouais, ils se font balayer parce qu'ils sont sous-équipés, c'est normal, c'est normal. Et là ça pimente cette rencontre. Parce que quand même, quand on démarre, on était sur un 7-0, voire même peut-être 8-0. Avec des Spirits qui semblaient avoir déjà pris le match. Et puis Falcon, ça a été roux, Anubis, ça connecte petit à petit. Attention, Snappy quand même là-dessus. Alors bon, il s'est foiré, mais derrière ça gère, donc pas de soucis. Le sniper, j'ai vu un 5K, j'ai pas eu le temps de regarder. Sunpeus qui continue de dérouler pendant ce temps, lui. Hein. 23-8, rien que ça. Ouais, il avait fait un premier side vraiment extrêmement fort. Alors, il y avait ce fait marquant, il avait raté une balle d'avoir oui. La première. Mais derrière, il s'est tellement bien relancé. C'est bête, mais ça a eu un impact considérable sur le plan de jeu tactique, je pense, de son équipe. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on se bidonne. Alors, le round d'armée, Shiro au snipe, bah, lui aussi doit répondre, hein, parce que là, ça coince un poil. 2-1-2. Lui, sniper. Il est en A derrière, il y a flash pour son coéquipier qu'on installe profondément en A. Donc là, je parle de Zantik sur la mini-case numéro 4. Et le middle qui est forcé par l'attaque Falcons. Chopper à la réception, il est seul, le bijou. Il est cuit, là, non? Complètement cuit, attrapé par Madden, accélération maintenant à venir au niveau du A en speed Zontix. Bon, s'il en fait un, vu la situation honnêtement, ce serait déjà plutôt pas mal. Il est vraiment désavantagé, il en fait un, il en fait deux. Pas de triplé, cette fois-ci il finira par tomber, mais il a fait plus que le boulot nécessaire, 3 contre 3. Bobo sol et donc en travers sur ce tapis. Injuste, très injuste. Les Falcons avaient le bon call, la belle déclic, et maintenant c'est un 2v3, bombe perdue. Dans un entre-deux, cette bombe, franchement, chez les CT, hein, ils ont l'espace. Mais les terreaux ont le temps. Ils ont le temps d'être un peu partout à la fois. Vous voyez que là, ils se méfient des arrières. Ah, mais s'ils envoient les stuff simultanément, ils vont comprendre qu'ils sont tous là. Il a une HE donc. Hein. À terme, on pourrait essayer d'exploser le fumigène. Et il le sait. Hein. Sur un timing, on se dit tiens, le joueur au contact, il ramasse la bombe. Petit HE, on s'en sort. La bombe qui a été ramassée, on ne réagit toujours pas. On ne veut pas trop en faire. Ça aurait été un bon call, je suis d'accord avec toi. Il l'a pas comme, ce joueur. Fallait appeler un pote pour ça. Ah, ils ont vraiment subtilisé la bombe au nez à la barbe de Spirit qui se retrouve en 3v2 de reprise. Sans kit. Faudra pas traîner, mais bon, on est déjà au contact ici. Reprise engagée, amorcée, triple décal qui est proposé maintenant. Madden sur le BP, Majest également, et derrière ça connecte sans trop de soucis en réalité pour la défense. Propre, efficace. Mais un round qu'on a complètement laissé passer pour Falcon, ça a commencé si bien. Ouais. Ouverture sur le Chopper et derrière on se dit il y a un 5 contre 1 en A. Mais ce 1 a été tellement puissant Zontix, alors là c'est incroyable ce qu'il fait. Hein. Son il travail. Ça fait deux fois hein, qu'il nous la met à l'envers alors qu'ils sont battus. Ils sont battus stratégiquement ici. Ils ont un moins 2 du fixe, une dinguerie de donk. Et la reprise. Alors la reprise 3v2 qui passe comme une formalité. C'était loin d'être écrit. Mais elle est là. Ça fait 11-8. Je sais pas où on en est sur les finances Falcon. Je pense que ça devrait aller pour l'achat ici. Ouais, voilà. Ouais, Falcon, c'est l'argent en général. C'est pas trop le souci. À voir maintenant si on a la ressource stratégique et individuelle pour continuer d'exister sur cette première carte. Avec un pic B qui va être tenté visiblement sur Flash. On pourrait y envoyer Boros. On y met en tout cas de l'activité. Mais pas de premier duel direct. Attention, parce que si on va trop loin... On est double sniper côté Spirit, un en B sur Magix, l'autre sur Shiro qui se retrouve en A. Fall de map. Et le main A. Alors là, on nous montre. Mais c'est pas là que ça se passe, c'est le main A. Les deux équipes savent que c'est là. C'est la première étape du contrôle map. Une fois qu'il y a une pression A, le pivot est aspiré. Ou alors ils doivent lâcher. Il y a un problème quoi. Il y a un problème pour la défense. C'est la même chose dans la cave, mais la cave, il y a des fumées qui se succèdent. Donc c'est chiant à faire pour l'attaque au début. Ouais, stuff continue de tomber. Attention, on n'a plus beaucoup de fumigène de blocage là-dessus du côté de la défense. On arrive autour de la minute de jeu. Pas énormément d'informations. On joue reclus sur les BP. On ne reprend pas cette fois-ci, en tout cas pas encore. Il y a un trou mid. Inimaginable considérant que les Falcons sont déjà passés tout à l'heure. Ils n'osent pas y aller tout droit. Seul en tout cas, le pont Madden. Ouais, Shiro garde la ligne de loin. C'est lui. Ça pourrait déraper très vite. Ils ont lu le Spita. Ils sont en train de retard.
Les Spirits sont en train de retard. Mais la bombe, où va la bombe? Je sais pas, elle contrôle map, mais je suis pas sûr qu'ils vont repartir là. Je suis pas sûr du tout. Si, peut-être, ça repart. Faut regarder la mini carte, là que ça se joue. S'il repart tomber, il y a espoir pour Falcons. Oh, c'est couillu, hein. Alors, Boros, c'est un fumigène. Il pourrait enfumer la ligne du sniper. C'est quoi ce fumigène? Un bricole, t'inquiète, frère. Bah, bonne chance. Faudrait un raté du sniper. Ou alors, on lance la bombe. Est-ce qu'on lance la bombe? Non, on jette le round et ça c'est pas pareil, ça fait mal. 5 contre 2, Snappy, stun pas eu. Est-ce que le double S peut faire la différence? Non, gêné par une mono, mais y'a pas de temps, on va save. Qu'est-ce que c'est dur à regarder Snappy, qu'est-ce qu'il vient de nous chercher là-dessus? Ça n'a aucun sens. Il aurait peut-être pu poser, je sais pas. Et il meurt après le temps. Et donc il va... Ouh là, il l'a pas eu. Je crois pas. Non, là malheureusement... Ouais, y'a une tac là. Franchement, c'est pas une équipe de finale. Leur parcours, c'est pas une équipe de finale. Le gameplay, c'est pas une équipe de finale. Il n'y a aucune sérénité dans le jeu, là, en tout cas dans ce qu'on voit. On se retrouve à faire des choses, alors, facile à voir pour nous, mais bon, quand même. Et pareil, Madden, tout pareil. Ah, le contrôle map, là, on s'endort, on a pris 3 l'exo. Bon, alors ça a de la gueule, par contre. Ah, il y a une grosse caster curse. Ok, d'accord, oui, c'est bien. Mais c'est géré et l'incendiaire, j'ai l'impression, donc a compris le trick. Très rapidement, ouais. Ouais. Justement, ce genre de mouvement, ça aurait pu être sorti peut-être avant la botte secrète ici. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que c'était long sur le round d'avant, là, sur la main up, rien du tout. On finira en bien. Une première pression intéressante, ça a forcé la dépense de double fumigène également d'une molo sur le main. On pourrait revenir à contre-temps. Mais là, quoique, faut pitcher le fumi, faut aller en force. Hein. Ouais, Chopper, il est en train de se dire tiens, la meilleure défense c'est l'attaque. Il a envie de retraiter dans. Alors cette flèche, normalement, elle n'aveugle pas Boros qui est tête dans le mur au contact et c'est à Boros de faire la différence là-dessus. Oh oui, Boros. Bah, il prend la flèche, joli. Hein. En plus. Et là, cette année. Oh, le timing. Attention. Oh non. Mais non. Oula. Il n'a fait qu'un. Magix, lui, en fait deux. On n'a pas regardé devant soi dans le traversé du fumigène et des Magix. Magix qui gagne du temps. Magix, insupportable. On est déjà sur la prochaine map. Madden est cuit. Madden l'attente, il est repéré, touché, diminué. Il en fait tout de même un. 37 PV restant, une bombe qui est au sol. Magix, Zontix pour la couvrir. Est-ce qu'on a vraiment de l'espoir pour Madden? On l'attente en tout cas. Attention, là-dessus, la tête n'est pas passée. On essaie de vider le chargeur, mais très peu de dégâts infligés aux adversaires qui vont jouer ensemble, et ça marche bien. Victoire de Spirit. C'est mérité, c'est maîtrisé. Il y a 2-3 trucs à discuter pour Spirit, il y a quand même des faiblesses, donc il y a un traitable, c'est vrai. Mais là, les Falcons, on n'y est pas. Franchement, on n'y est pas. Non, on n'y est pas, quoi. Puis il y a des moves qui laissent un goût d'amertume. Hein. Là, aller chercher des moves quand on a un avantage numérique qui n'ont pas lieu d'être. Ah, il y a Sven Paius hein, qui va un petit peu faire du bien, j'ai envie de dire, au scoreboard pour son équipe. Il a été extrêmement impactant, ça permet de sauver des points. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, quand on parle de structure de jeu, on n'a pas vu d'équipe côté Falcons, malheureusement. Individuellement, Zontix aussi, hein, parce que c'est un parcellement de jeu où franchement ils ont été meilleurs. Il y a Zontix qui fait 2-2 extrêmement important. Ça nous fait beaucoup de choses légères. On met une petite pause, je crois. Tout à fait, petite pause, et puis on revient sur le desk pour en parler justement d'ici quelques petites minutes. À tout de suite.